con questa mostra volevo far capire al pubblico francese l'importanza della cultura veneziana del Settecento. Era una città brillante dove tutti gli aristocratici dell'Europa, anche i principi, venivano per divertirsi, per ascoltare la musica e anche per comprare quadri, sculture. E ho avuto la partecipazione di tanti colleghi che sono stati di una generosità incredibile. Anche ho avuto la collaborazione dei musicisti di Venezia e abbiamo dei prestiti eccezionali dei musei civici di Venezia. Amo molto la cultura veneziana, ho un grande rispetto per la cultura veneziana, dal Rinascimento al Settecento, diciamo anche per la città di oggi. E l'ho vissuto come un sogno. Alors on m'a demandé de, bien sûr de mettre en scène cette exposition sur Éclatante Venise, c'est-à-dire la peinture et les arts décoratifs et la statuaire au XVIIIe siècle, ça pouvait être un sujet un peu rebattu comme ça a priori, mais sublime en même temps. Et je suis venue parce qu'on m'a demandé aussi un pas de côté, c'est-à-dire faire venir un autre public et introduire vraiment l'idée de la théâtralité. J'aime assez parce que dans cet art, à cette époque-là particulièrement, et dans Venise, il y a forcément tout le temps quelque chose de mise en scène. Tout est théâtre, tout est le fait de regards qui vont de l'un à l'autre, d'obliques. Et il fallait rendre compte à la fois de quelque chose, bien sûr, d'éblouissant, d'éclatant, mais aussi de quelque chose de trouble. Et ça, c'est le propre du théâtre. Donc je suis restée au plus près de des espaces et du regard que l'on peut avoir pour une scène. Mais la première chose, c'est la contemplation de la peinture. Ho organizzato il concetto della mostra, ho pensato che la cronologia era anche importante e ho organizzato la mostra in tre parti, tre capitoli. Il primo, presentare la città, l'ambiente culturale, anche con i ritratti dei personaggi importanti come la cantante Faustina Bordoni, anche gli arti decorativi.
E questa prima parte permette di capire anche nella galleria dei quadri, delle sculture, che l'arte a Venezia era un'arte totale. Fino agli anni 1770, diciamo, quando, fino alla morte di Giambattista Tiepolo, è una cultura che è rispettata da tutta l'Europa, tutti i principi d'Europa vogliono avere qualcosa di Venezia. E poi voglio far capire nella seconda parte la diaspora dei veneziani in Europa, l'influsso dell'arte veneziano in Inghilterra, dove soggiorna Canaletto, dove vanno Marco e Sebastiano Ricci, anche in Francia, quando Rosalba Carriera viene nel 1720, incontra il pittore Antoine Watteau, Sebastiano Ricci e Watteau si scambiano i disegni e il giovane François Boucher per alcuni anni lavora nel modo veneziano, veloce, chiaro, virtuoso. Anche in Germania e in Austria i veneziani sono stati sempre presenti e sappiamo tutti che il grande capolavoro di Giambattista Tiepolo lo fa a Würzburg, nella residenza di Würzburg. Thank you.
peinture. Je me suis vraiment immergée dans cette peinture. J'ai vraiment regardé au plus profond les Canaletto, les Guardi et surtout les Tiepolo père et fils qui sont une mine de charme absolu où le prosaïque et le sublime se rencontrent sans arrêt. On est dedans et dehors, où on passe de la grandeur, de la solennité. Il y a toujours une touche de fantaisie. Et puis dans la fantaisie, il y a toujours une gravité. Et puis il fallait parler aussi du dialogue de ces peintres vénitiens qui quittent leur pays et qui essaiment partout en Europe. Donc qu'est-ce que c'est que l'exil d'un peintre? Ça, c'était aussi un très beau sujet qui m'a profondément touchée. Et regarder à l'intérieur des tableaux comment les choses se résolvent. C'est d'abord une énorme imprégnation, puis après un long travail d'espace, parce qu'il fallait que ces espaces accueillent et mettent en scène le public, mettent en scène le sujet, mais aussi qu'ils puissent accueillir des musiciens, des danseurs et des comédiens. Donc c'était vraiment la proximité de tous les arts. Et après tout, quand on regarde ces tableaux, c'est ça, c'est la vie, c'est la place publique, c'est le goût de la théâtralité dans la rue, c'est la façon dont on se tient, dont on s'appuie à un mur, puis c'est ces petits chiens qui regardent les êtres humains, qui regardent qui tout le temps. Donc j'ai voulu aussi, bien sûr, faire écho aux impressions quand on marche et quand je marche dans Venise, c'est-à-dire ce regard qui n'est jamais obstrué. Et on ne sait jamais exactement où on est, et on ne sait jamais, il y a des promesses, et on ne sait pas comment aller jusqu'à la chose que l'on voit là-bas et qui est peut-être un chef-d'œuvre. Mais le plus court chemin et la droite ligne ne marchent pas. Donc j'ai essayé pour le spectateur de recréer ce regard furtif, ces promesses, c'est vraiment et aussi des impressions d'une salle à l'autre extrêmement différentes. Je voulais vraiment parler à la sensibilité, le discours scientifique de l'histoire de l'art est là, l'intelligence est sollicitée, et moi, ma part, c'était vraiment la sensibilité. Thank you.
E poi la terza parte, il mito di Venezia, mi permette di chiudere la mostra in un modo ancora molto veneziano, speciale, singolare, con i quadri di Gian Domenico Tiepolo, il Minuetto, il Ciarlatano, il Mondo Nuovo. La fête des fous ne dure pas. Saltimbanchi, Pulcinelli, vediamo questo mondo dalla fine della Repubblica. E l'ultimo quadro della mostra è l'incendio di San Marcola di Francesco Guardi, un quadro notturno, un incendio che ha avuto luogo nel 1789, l'anno della Rivoluzione francese, e poi la Repubblica di Venezia cade nel 1797, come sappiamo tutti. Peccato. Le goût de la jouissance qu'il y a dans cette peinture et dans cet art. C'est-à-dire quelque chose qui est aussi qui rend cet art un peu trouble et donc forcément extrêmement charmant dans le sens fort du terme. On est happé par cette peinture parce que quelque chose se dit évidemment d'une espèce de joie de vivre, de tous les plaisirs, de la façon de se regarder, de s'envisager, les visages, les regards. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement fragile, comme s'il y avait un délitement des existences, des destins. Et ça, dans chaque touche, il y a ça, dans la façon dont le peintre pose quelque chose sur la toile. Il nous dit que tout est éphémère, et même si lui l'immobilise un instant, tout va échapper. Et c'est le propre du génie vénitien que de nous dire il y a le sublime, mais parce que dessous, tout est fragile, tout est mouvant, tout est attaqué, tout se délite. Voilà, donc c'est aussi l'instabilité, comment la peinture sait raconter l'instabilité. En figeant les choses, c'est admirable. Et ça, pour moi, ce que j'ai rencontré après tout, c'est que l'énigme est toujours plus grande en peinture. On acquiert des connaissances, on acquiert un regard, on aiguise son regard. Et l'énigme, pourquoi peindre ? Cette énigme-là est toujours intacte.